Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit Get Unready With Me. Donc en fait je vais vous montrer tout ce que je fais le soir en rentrant chez moi. Au niveau de ma peau, de mes cheveux, tout ça. Donc je vais aller à la douche. Donc qu'est-ce qu'il y a de mieux vraiment que de prendre une bonne douche bien chaude le soir. Donc je vais utiliser mon gel douche cosmétique au monoï qui sont très très bons. Pour mon visage je vais utiliser le Iseac du Riage. Et mon démaquillant chouchou en ce moment, c'est le Leno qui s'utilise sous la douche, qui est juste top. Donc ensuite, je retourne dans ma chambre, je me mets en pyjama et j'enfile des grosses chaussettes tout doudouilles de chez Primark. Donc voilà, ça coûte vraiment pas très cher et moi, je m'en sépare pas de ces petites chaussettes. On passe aux soins de la peau et des cheveux, donc tout d'abord je vais venir brosser mes cheveux. Donc je ne les ai pas lavés ce soir-là. Mais c'est quand même important à la fin de la journée de bien se démêler les cheveux pour éviter de faire d'encore plus gros nœuds pendant la nuit. Ensuite, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai des petits résidus de mascara. J'utilisais mon démaquillant de chez Marc Repère, en fait. Tout simplement, qui fait très bien le job. Faut dire aussi que mon mascara est très costaud, donc c'est le Zairil de Benefit. Il est très 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 dur à démaquiller et je trouve que déjà ce que fait Leno, et c'est incroyable, clairement, sur lui. Donc en fait, il me reste juste des petits résidus en fait sous les yeux, mais vraiment trois fois rien. Savoir que mon démaquillant que j'utilise sous la douche, donc le Leno, j'utilise en fait sur les yeux, sur le visage, de partout, il est vraiment top. Juste il pique un peu dans les yeux en fait. Moi j'aime bien vraiment masser mes cils pour être sûr qu'il n'y ait plus de résidus dessus. Et donc faut faire attention et être assez minutieux en fait pour pas s'en mettre dans les yeux, puisque sinon ça pique. Sinon c'est quand même un super truc. Donc voilà les petits résidus. Je vais passer ensuite à mes boutons, donc c'est avec un produit de chez SVR, donc qui est trouvable en pharmacie. Donc en fait c'est un produit qui va assécher en fait mes boutons, donc c'est pour ça que j'applique localement là où j'ai des petits boutons. Donc j'applique un peu de produit et ensuite je vais venir tapoter pour étaler un peu le produit. En attendant que le produit pose, je vais aller me brosser les dents. Ensuite je vais m'occuper de mes cheveux, donc vu que j'ai pas lavé mes cheveux en fait j'essaye d'espacer un peu mes shampoings. Donc en fait je vais utiliser du talc pour bébé, donc il y a le même effet en fait qu'un shampoing sec. Si ce n'est donc en fait je le pose en couche épaisse en fait sur mes cheveux, là où c'est un peu régressé au niveau des racines. Et en fait je vais le laisser poser toute la nuit, donc en fait vous allez voir que ça fait très très blanc au niveau des racines. Mais en fait en dormant le produit va s'enlever et au matin vos cheveux ils seront vraiment très propres et avec beaucoup de volume, et vraiment j'adore cette technique. Donc ensuite pour ma peau du visage, donc ma peau elle fait des petits boutons mais elle est quand même très sèche. Donc je teste en fait une crème de chez Lidl et elle est vraiment géniale. Donc c'est la sienne, elle coûte trois fois rien et elle est vraiment super, vraiment j'adore. Autant la texture que l'hydratation, elle pénètre très très bien, elle laisse la peau très douce. Et voilà, et moi j'adore mettre cette crème le soir, c'est juste top. Ensuite je vais m'hydrater le bas des jambes, parce que c'est surtout là en fait où mes jambes sont un peu déshydratées, donc avec un lait pour le corps de chez Victoria's Secret. Ils sentent terriblement bon. Donc moi c'est le Exotic Earth. Et voilà, vraiment je l'adore le soir, c'est ouf, ça met plein d'odeurs, c'est vraiment trop 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 bien.
peux mettre ensuite de la crème sur mes mains. J'adore faire ça. Je trouve que d'avoir les mains douces, c'est tellement agréable. Donc moi, c'est une crème de chez Durance à la rose. Elle est vraiment géniale. Vraiment, je la préfère limite au... Comment ça s'appelle? Au L'Occitane. Et elle sent très bon. Elle peine super bien. Elle laisse vraiment pas les mains collantes. Et vraiment, c'est ça que j'adore. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir profiter dans mon lit. Donc en général, c'est YouTube, Netflix. Là, ce soir-là, je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai joué un peu aux Sims. Je sais même plus. Enfin bref, voilà. Donc je profite d'une petite demi-heure en fait pour faire un peu ce que j'aime. Et ensuite, donc il va commencer quand même à se faire tard. Donc je pose mon ordi, je le mets à charger. Je vais éteindre la lumière. Et dodo. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Des gros bisous!